Oh, il y a quelques écrevisses, mais ils ne sont pas très méchants. Ça arrive souvent. Alors, d'où à l'aérodrome. Voilà. Bonjour. Bonjour. Ça va ? Bien, toi ? Ça va ? Ah, il y a carrément deux ballons aujourd'hui qui partent. Ouais. Ça valait le coup de rester un jour de plus dans le Charolais ? Celle après l'enveloppe. On gonfle l'enveloppe avec les ventilateurs. Je demanderai l'aide de deux personnes pour tenir l'enveloppe ouverte. Quand l'enveloppe sera bien gonflée, je demanderai aux deux personnes de s'écarter. À ce moment-là, je voudrais bien de rester de ce côté de la nacelle, côté gauche. Approchez-vous, s'il vous plaît. Mon steward. Donc, une fois que le ballon sera debout, je demanderai de monter dans la nacelle. Voilà, pour monter, vous avez les marchepieds. Vous vous mettez assis là. Assis là. Voilà, vous passez les jambes et vous descendez dedans. Donc, vous mettez trois d'un côté, plutôt trois ici et deux ici. À l'atterrissage, je vous préviendrai un petit peu avant et je vous demanderai de prendre la position d'atterrissage. Donc la position, c'est... Alors Arthur, quand on va se poser, on va avancer comme ça. Moi, je serai à votre droite, naturellement, vous allez regarder devant vous. Ouais. Il faudra, quand je vous préviendrai, je vous le dirai, on aura le temps, hein, c'est pas... Ouais. Vous vous retournerez, les jambes bien fléchies sur les jambes et la poignée qui est devant vous. Mmh. Voilà. Et vous gardez bien cette position jusqu'à ce que l'atterrissage soit terminé. Ça peut se faire en plusieurs fois, donc il faut bien garder, bien serrer les poignées et bien souple sur les jambes. Que la nacelle, c'est 150 kg. C'est 350 Et l'enveloppe 180. L'enveloppe combien ? 180 kilos. Arrête. C'est pas grave. Ah, il est grand, hein. C'est d'un et d'une. On parle toujours de la montagne de Dun. En réalité, il y a deux petits vallons qui sont séparés. Je suis en train de se refaire complètement. Elles courent toutes. Ça leur fait peur ? Ouais, des fois, ouais. Parce qu'il a la bière trop bien, c'est pour ça. C'est à gauche des impôts ? Hein, attends, je ne tente pas, pas du tout, c'est... Les c'est les deux maisons blanches ? Hein ? Ça chauffe le coup. T'es chauffe, hein ? Ah, on a 50 minutes de vol, il y a moins rien, le plus de gaz. Antoine, pour Laurent, tu peux avancer, il a passé les fermes, je vais me poser normalement dans le pré après les fermes. À gauche. Accroche pour l'atterrissage. Ok. C'est vraiment impressionnant, le marque au sol, c'est là qu'il y a une. Ça rend partout quand on est là. Ça y a que ça, hein, des grands prés. En fait, la nacelle, quand il y a du vent, la nacelle se couche comme ça et vous êtes sur le dos couché et ça traîne.